kawaii n'est ça. Chalet. Qu'a fait payer vacances là-haut, tes porte-monnaie là. La jamais les moins marbella. Oh shit. Si Santorini. Waouh. C'est bikini. Ah bon? En bikini. En bikini. Et puis tout tourni. En bikini. En bikini. Et puis tout tourni. En bikini. Et puis tout tourni. Tout tourni. Hello. J'espère que vous allez bien. Là, on est une semaine après la rentrée. On est lundi 11 septembre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en retard. Alors qu'il n'est que 7h du matin, je suis en retard. Parce que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la voiture dans mon travail, récupérer mes collègues. Et on va à Longon pour une réunion. J'ai pas lu mes diapos pour ma presse. Donc, je suis dans le rush. Je sais que là, la luminosité, c'est pas ça. Il fait nuit, je marche, je vais prendre le tram. Mais voilà, je tenais à vous dire ça. Depuis lundi, je vous dis, j'ai envie de faire une vidéo très très bien pour finir tout ça, tout ça. J'arrive pas parce que je cours toute cette semaine là. Lundi, qu'est-ce qu'il y avait? La réunion, donc comme je vous ai dit, je suis allée chercher mes collègues au boulot, récupérer la voiture du boulot. Et on est parti pour une réunion qui a duré jusqu'à 16h par là. Ensuite, mardi boulot. Qu'est-ce qu'il y avait mardi? Je sais plus. J'étais tellement crevée, je suis rentrée aux alentours de 16h30, j'ai dormi. Mercredi hier, pareil, j'étais crevée, j'ai débouché tôt. Aujourd'hui, pareil, j'ai débouché à 16h. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis rentrée faire le ménage. Et après, je suis allée chercher ma fille à la gym. Que me voici. Seulement que je suis rentrée, je m'étais posée. Là, il est 20h26. Et j'ai rendez-vous à 20h30. Le seul problème, c'est que comme je me suis posée, je suis crevée. Et c'est pour une réunion, une formation, je sais pas. Donc là, on va ensemble. Mais je suis crevée. En ce moment, je sais pas pourquoi je suis fatiguée. Pourtant, j'ai pas coiffé de la semaine.
franchement, c'est pas instinctif de parler à une à son téléphone, à une caméra ou quoi que ce soit. Donc j'oublie tout le temps, franchement. Donc là, on va au festival Climax avec ma fille. Je suis sur la rive gauche parce que là-bas c'est la rive droite. Non, la rive droite, je sais pas. On est l'autre côté. On va à Darwin avec ma fille qui veut voir Julien Gravel, je crois. Granel. Et donc, on a réservé les places. Là, on marche. Ce matin, comme vous avez pu le voir, on est en réunion d'équipe et moment de convivialité l'après-midi. Et si je me rappelle bien, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était hier. Je suis allée à une réunion à l'église parce qu'il y a un parcours de formation que je veux suivre. Donc, je suis allée, mais j'ai rien mis. Mais par contre, c'est sur... C'est quoi par, comment ça s'appelle soyez parcours de formation des disciples missionnaires. Je crois que c'est un truc comme ça. En gros, voilà. On t'apprend comment aborder le thème sur ta religion, comment essayer de partager ce que tu vis, ce que de témoigner, comment témoigner. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Actuellement, je suis dans une optique de travailler mon éloquence, ma manière de m'exprimer devant les gens et tout le reste. Donc c'est pour ça, tout ce genre de formation, j'y vais. Et là, on va au festival. Et demain, on ira à la journée du patrimoine. Donc, j'espère que j'aurai assez de batterie pour vous montrer un peu de festival. Sinon, mais vous n'aurez vu que le golf. Thank you.
For all the times that you ran on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, then baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, it tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you.